Regarde toute cette eau. Je crois que je vais avoir le mal de mer. Ah, t'inquiète, marin d'eau douce. Mon œil de lynx aperçoit une île au loin. Ah bah tu parles d'une chance. On est tombé sur la seule île existant au milieu de cet océan. Si on l'avait raté, on se serait noyé, c'est évident. Eh bah tu m'en vois ravi. Et t'as une idée pour rejoindre la terre ferme? Oh bah t'as vu ça? Doc, c'est une baleine! Incroyable! Ça glisse! Quoi, tu te retiens, toi? Est-ce que je peux? Génial! Oh, pas mal, l'hôtel! Yo-yo, quelque chose me dit qu'on va servir de petit-déj. Lâche-nous! Ne paniquez pas, les amis. Mon frère et moi, on vous a sauvé la vie. Comme c'est étrange d'avoir une baleine comme frère. Bah, ça fait rien, hein. Je veux dire, après tout, t'es un aigle et puis elle, c'est une baleine. Faut vous dire qu'on a été ensorcelés. Hé hey, salut, ça va? Alors la pêche était bonne aujourd'hui? Pas mal, et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'étais en train de me poser la question. Alors dites-moi, qui êtes-vous, vous deux? Je m'appelle Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier depuis... depuis toujours. Pardon, permettez-moi de me présenter. Croc, docteur Croc, érudit et philosophe et virtuose. Ça va, on la connaît ta chanson. Alors, comme ça vous avez été ensorcelé, racontez-nous ça. Plus tard, un orage se prépare, on ferait mieux de rentrer. Je vous expliquerai ça dans ma cabane. Dans ce château vit un sorcier malfaisant. Lorsqu'il captura mes pauvres frères sur son île, il en transforma un en baleine et l'autre en aigle. Ah, et comment ça capturer? Et qu'est-ce qu'il allait faire sur cette île? Il voulait sauver la seule chose que le sorcier aime au monde. La princesse. Il y a très longtemps, il l'a enlevée. Et depuis, elle est sa prisonnière. Il ne la nourrit avec rien d'autre que du pain et de l'eau. Ah, épousez-moi et je vous jure que tous vos tourments prendront fin pour toujours. Jamais. Pas tant que je vivrai avec l'espoir d'être libérée un jour. Libérée, ah ! Personne ne peut tenter de vous libérer. Ce château est impénétrable. Le seul être qui puisse vous sauver, c'est vous-même. En acceptant de devenir ma femme. Oh, c'est pitoyable. Vous comprenez maintenant pourquoi mes frères voulaient l'aider? Tu parles? Mais ne me dites pas que vous avez perdu espoir, il y a toujours un espoir dans la vie. Et puis Doc et moi sommes là maintenant, on va vous aider. Oh, aurais-tu perdu l'esprit? Tu as oublié un petit détail, il y a un sorcier. Il va nous changer en babouin ou autre chose. En ce qui te concerne, ça change pas grand-chose. Oh, c'est hilarant, Yo-Yo. Personne ne peut vaincre le sorcier, il a trop de pouvoir, à moins que... À moins que quoi? Allez, vas-y, dis-nous! Eh bien, j'ai entendu dire qu'il n'existait qu'une seule arme au monde contre cet homme. Une sorte de boule magique qui ferait disparaître tous ses pouvoirs. Mais ce n'est qu'une rumeur, hein, personne ne l'a jamais vue. Une boule magique? Ça m'a l'air très intéressant, tout ça, non? Eh ben, on n'a qu'à lui lancer ce truc à la figure et c'est gagné! Du calme, Yo-Yo, du calme, laisse faire les experts. Bon, avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument trouver cette boule magique. D'accord. Où elle est?
À quoi elle ressemble et en quoi elle est faite? Oh, sois réaliste, Yo-Yo. On n'a pas la moindre petite information sur cette boule. Bah, il faut simplement savoir où chercher. En fait, nous ne savons qu'une chose sur cette arme. C'est qu'elle menace les pouvoirs de ce sorcier. Et si la connaissance de son existence, ce qu'il a très probablement... Alors il s'est sûrement empressé de la détruire. Peut-être qu'il n'a pas pu la détruire parce que c'est une boule magique. Il doit sûrement l'avoir cachée au loin dans un lieu secret. Chouette! Alors tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller le voir et lui demander où il l'a planqué. C'est fastoche! Peut-être que la princesse saurait où cette boule peut se trouver. Tu as raison, ouais. Il faudrait qu'on puisse l'approcher et la question est de quelle façon. Comptez sur moi, je vous y amènerai. Chouette! J'adore voler! Youpi! Tout le monde à bord! Je ne suis pas sûr de vouloir venir avec vous. Tu crois qu'il n'y a aucun danger? Il y a assez de parachutes? Où sont les ceintures de sécurité? Et de plus, je suis allergique aux plumes! Regarde! Nous y voilà! Le sorcier! En train d'invoquer! C'est original! Amène-nous sur le toit de cette tour! Le sorcier ne pourra pas nous voir! Roger! Et maintenant, on fait quoi? Oh là là! Oh, c'est haut! Il n'y a qu'une seule chose à faire! Bonne chance! Je garderai un œil sur vous! Qui sait? Peut-être que la chance sera de notre côté? C'est vraiment très haut, hein. Ne me laisse pas toute seule! S'il te plaît, ne me laisse pas! Donne-moi ta main, Yo-Yo! Au secours! Aidez-nous! Au secours! Il y a une de ces vues d'ici à vous couper le souffle. Et alors, qu'est-ce que tu vois? Une pièce vide. Je vois un tas de vieilleries, des toiles d'araignée. Très bien. Si on essayait par là. J'ai le vertige. T'inquiète pas, je vais t'aider, mais il faut que tu saches que... dans ce genre de situation, il ne faut pas penser. Ce qu'il faut, c'est être courageux et avoir du cran. Dites donc, si je passe tout mon temps à vous secourir tous les deux, comment voulez-vous que j'arrive à sauver la princesse? Chaque fois qu'il veut faire l'intéressant, il est à deux doigts de nous faire tomber. Et qui était pendu à l'autre tout à l'heure? Hé, hey, on va pas se fâcher. C'est sûrement la princesse. En route. Yo-Yo, il me semble avoir dit quelque chose à propos. Qui êtes-vous? Excusez-nous, on a dû se tromper de chambre. Au revoir. Au revoir, madame. Non, attendez. N'ayez pas peur. Venez, je vais vous montrer les véritables traits de mon visage. Mais vous êtes vraiment très belle. J'étais très belle, vous voulez dire? De plus, je ne peux m'échapper d'ici, car je serai toujours prisonnière de cet abominable faciès que l'on m'impose. Il est puissant, mais il n'est pas invincible. J'ai entendu dire qu'une boule magique pouvait anéantir tout son pouvoir. On pensait que vous pourriez nous aider, vous voulez bien? Bien sûr, évidemment que je vais vous aider. Dans ce cas, voici ce que vous allez faire. Quand il viendra vous voir, vous lui direz ceci. Vous lui direz simplement que vous acceptez. Et voilà. Alors, très cher, avez-vous enfin compris que vous n'avez aucune échappatoire? Allez-vous enfin consentir à devenir mon épouse? Je vois. Oui,
Je le veux. À la condition, bien évidemment, que je retrouve mon apparence normale. C'est vrai que ma vie pourrait être bien pire. De plus, je vais devenir la femme d'un homme au pouvoir surhumain et à la grandeur jamais égalée. Ma chère, vous êtes la plus magnifique et la plus charmante des princesses. Je vous épouserai dans 3 jours exactement. Mais avant ça, il y a quelque chose que je dois absolument savoir. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Après tout, vous allez devenir ma femme. Est-ce que les gens ont raison de dire qu'il existe une boule magique qui anéantirait vos pouvoirs ? Ah, ce sont des présomptueux, ma douce. Rien, ni personne ne m'anéantira. Quant à votre boule magique, oui, elle existe. Mais elle est cachée dans un endroit que je qualifierais d'inviolable. C'est vrai? Mais croyez-moi. Elle est cachée en ce moment même à l'intérieur d'un taureau au tempérament ombrageux. Cet animal tuera quiconque voudrait l'approcher. Et si par un malheureux hasard, quelqu'un en venait à bout, il se transformerait alors en un vautour qui se chargerait d'emmener la boule de cristal avec lui dans les airs. Cette dernière est elle-même protégée par un œuf, et qu'évidemment le vautour peut loger facilement entre ses griffes. Ça, c'est un œuf. Et il est exactement comme celui qui renferme la boule. Oh. Nous devons nous marier dans 3 jours, il me semble. Je vais donc commencer tous les préparatifs. Bientôt, vous quitterez cette chambre et vous pourrez vous installer dans des quartiers, ma foi, beaucoup plus luxueux. Une fois que nous serons mariés, évidemment. Oh, c'est une sacrée cachette qu'il a trouvée là, n'est-ce pas, Yo-Yo? Dans un taureau. Tu sais, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Avec l'aide de mes frères, on retrouvera cet animal. Ne vous inquiétez pas, princesse. Je vous en donne ma parole. Nous devons trouver un moyen de vaincre cette bête. Le seul moyen que je vois, c'est de devenir torero. Olé! Toro! Torero! Les toreros se servent de leur épée dissimulée sous leur cape rouge. Ça y est! Rouge! Ça y est! J'ai trouvé! Attends! Où est-ce que tu vas? En route! Je vous le dirai en chemin. Regardez, c'est là-bas. Ça doit être cet endroit. Ah non, ça n'est trop. Calmons-nous, il aime pas l'eau. Très bien. C'est pas le moment de s'arrêter. Je compte jusqu'à 3. Et vous mettez tous à vos postes. 1, 2, 3. À toi de jouer, Doc. Je crois qu'il t'a repéré. Hé, hey, Yo-Yo, tiens. Oh. Olé. Caramba! Vas-y, chérie! Approchez-vous. D'accord. Et comment on va la chercher, cette boule magique? Tu crois qu'il est encore dans les vapeurs? Bien fait. Raté. Vite, montez sur mon dos. On va la voir. Recommence. Oh.
magique est perdu à jamais. Continue comme ça! Allez, vas-y! Wow! Oui, on l'a eu! Ça y est, on l'a enfin. Fantastique! Mais comment leur faire retrouver leur apparence? Il faut peut-être juste la diriger vers eux, comme on le ferait avec n'importe quelle baguette magique. On peut toujours essayer, on verra bien. Oh, mon frère! Génial! Très bien. La dernière heure de ce sorcier a sonné. Je ne peux plus bouger mes ailes. Et ça doit être à cause de la boule magique. Elle brouille les effets du sort jeté à ton frère. Oh non! Et comment retournerons-nous au château sans tes ailes? On a juste à assommer quelques gardes et le prendre d'assaut, facile. Qui veut me suivre? Bien sûr, yo-yo. Ah, j'ai trouvé! Nous allons rentrer dans le château par la voie des eaux. Il me semble bien que tu apportes du poisson chaque jour au château. Eh ben, nous allons seulement changer un peu le contenu de ta cargaison. Oh non, 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 tu ne veux pas faire ce à quoi je crois que tu penses. Et ah si, il pense bien à ça. Oh, c'est pas vrai. Pourtant, c'est une super idée. Et il ne faut pas oublier que nous avons ceci. Ah, oh, merci infiniment, ça va mieux. Je pense que celle-ci serait parfaite pour la cérémonie, vous ne croyez pas? Non. Ou bien alors essayons quelque chose de différent. Ah, j'ai trouvé des habits spécialement faits pour les princes. Je suis sûr que ça va vous plaire, très cher. Non? Bon, très bien. Dites-moi précisément ce que vous désirez. Une robe royale avec sa cape brodée, si vous le souhaitez. Vous aimeriez ça? Qu'est-ce que se passe-t-il ici? Non! Mais qu'est-ce que vous faites ici, espèce d'imbécile? Non! La boule magique! Elle ne te servira à rien du tout. Tu t'écraseras sur le sol et ramperas à genoux jusqu'à moi. Puis, quand je dirai « c'est l'heure », alors tu te transformeras en couleuvre. Ah, tu ne transformeras jamais plus qui que ce soit. Je suis perdu. Mais si je dois disparaître, alors tu disparaîtras avec moi, chère princesse. Non! À l'aide! Au secours! Il n'y a aucune issue. Si, par là. On dit qu'un véritable amour donne des ailes. T'as entendu ça? J'espère que ça marche aussi pour l'amitié. Je tombe comme une masse.
Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Êtes-vous blessé? Ne nous oubliez pas! On a failli y passer. On a quand même réussi. Oui, on a réussi, princesse! Vous êtes libre! Et la boule magique? Ouais, ça aurait été marrant de voir ce qu'elle pouvait faire. Oui, je suis d'accord. Mais je crois qu'on ne le saura jamais plus. Rentrons, mon père doit nous attendre au château. Il sera sûrement ravi de t'accorder ma main. Évidemment, si tu le souhaites. Est-ce que c'est ton cas? Il faudrait peut-être qu'on se lance vers une nouvelle aventure. Oui, tu as raison. Et j'ai eu assez d'eau pour aujourd'hui. Essayons encore. D'accord. Et ils vécurent heureux pour toujours. Donne-moi la main pour suivre le chemin.